Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Dependragon, dans cet épisode de ce Let's Play d'Horizon Zero Dawn. Là, c'est un petit hors-série, le 11.5. Je vais faire Rouge Mort, le gueule d'orage, le légendaire gueule d'orage. Donc je vais voir un peu ce qu'il a dans le ventre, parce qu'apparemment il est terrible. Voilà, c'est une quête annexe, mais je vais la faire un petit hors-série à côté du Let's Play officiel. Donc c'est parti. Alors voilà la quête du légendaire Rouge Mort. Allez, c'est parti, Goldorak en action. Alors, il est où? Allez, il est à l'autre bout de l'univers. Voilà, c'est parti. Petite téléportation. Et on va combattre ensemble Goldorak, le légendaire Goldorak, mort rouge ou rouge mort, selon les intimes. Alors, inventaire, les armes, je vais me prendre lui. Hop. Voilà, c'est perfecto. Allez, on se casse. Il est où? Allez, rouge mort, là. Ah, voilà. Allez, rouge mort. Goldorak. Viens par là. Ok, tuer les assaillants. Par le soleil, je sens. Déjà la moitié. J'ai tout raté. Allez, Rodi là. Non, Talana. Tu es là, toi? Oh. Parler à Talana. Attends, puisque j'y suis, il n'y a pas de la poisson. Sky là. Allez, autant que faire se peut.
Ah. C'est quoi qui estouffe dans l'eau? Allez, nage. Voilà, arrêt de poisson, j'en ai déjà un. Et il m'en faut deux. Ah, il a disparu. Tu as un verre, allez. Dis-moi que tu as une arête. Arête de poisson, c'est parfait. Alors, hop, artisan. Ah! Ah, c'est lui. Voilà, arrête de poisson. Voilà, au moins ça c'est fait. Il me restera ça. L'oie, je sais pas où il se trouve. Il me restera l'os de rat. La dinde. Et os de rat. Ok. Mais ça, là, le crotal. On s'en fout. Alors vas-y. Allez, Tamara. Talanapto. Ça c'est pour vendre. Ok, ça c'est truc de ravitaillement. J'en ai besoin. Merci. J'aurais dû m'en douter. Bien sûr qu'il allait engager des voyous pour m'empêcher d'atteindre Rougemort, mais son orgueil les a tués. Où se trouve Azis? Parti attaquer Rougemort. Par là! Vite! Allez, Il c'est cherche à parti! battre Rougemort tout seul. L'orgueil. Il n'a pas envie de partager la gloire avec sa grive. Mon parrain a fait la même chose. Il a voulu tuer Rougemort seul. Alors qu'il savait pertinemment qu'on devait évincer Azis. Il est où, Rougemort? Allô? Ah. Os de dinde. Mais moi, c'est la peau. Je ne sais pas par où Azis et Rougemort sont partis. Je peux repérer leurs traces. Rougemort a détruit ses arbres. J'ai peur qu'on arrive trop tard. Pour Tarkas, je ne peux qu'assister à sa mort. Là, le voilà. Rougemort. Ah ouais. Rougemort. Ça dépouille bien. Maman, il est mort. Enfin, se débrouiller. Voilà. Bon, eh ben, on a du pain sur la planche. Allez, c'est parti. Rougemort, fais voir. Allez!
Allez, Goldorak! Voilà! Dernier coup de lance. Ah, je suis bloqué. À la Goldorak Go. Anti-feu. Parler à Tamara. Salut mon tout beau. On fait une bonne équipe. Et maintenant, c'est toi la chef. À ce propos. Parler à Aziz. On s'en fout de lui. Allez hop. Pourquoi tu sautes alors que je veux. Voilà, je vais sortir mes bottes plus tard. Bon, où est-ce que j'ai combattu? Ok, là. Alors, on peut voir. J'ai même pas eu besoin de l'arc. Hop. Talana, il est vivant. Hors de ma vue, sale Nora. C'est fini. Le pavillon est enfin débarrassé de ton emprise. C'est grâce à moi qu'il a survécu. Non, tu l'as tué. Comme tu as tué la mémoire de mon père. J'aurais dû te laisser combattre Rougemort avant moi, pour le fatiguer. Quel idiot. Voilà. Ici repose le faucon soleil du pavillon. C'est presque dommage. Ne me dis pas que tu vas le regretter. Oh non. J'aurais juste voulu voir sa tête quand j'ai pris sa place. Je vois. Tu peux passer me voir au pavillon, si jamais tu as le temps. Je crois que le nouveau Faucon Soleil voudra t'accueillir. Voilà, Rougemort, Goldorak. Le légendaire Goldorage a été vaincu. Voilà, parfait.
Avec les bonnes armes, il a été facile à faire. Ah, là aussi, il pleut. Ah, il pleut plus. Alors, gueule d'orage. Kivin Khan Padish, frère adoré, et Faucon Soleil Talavad Khan Padish, père tant aimé. Que leurs actions et leurs sacrifices soient un exemple pour les chasseurs, pour nous tous. Quelle part. À jamais. Alors là, c'est le bureau du commandant. Regarde. Un monument pour mon père et mon frère, et tous ceux qui sont morts dans la fosse. C'est grâce à toi, Aloy. Merci. Alors, ça fait quoi d'être la chef ? Ça fait comme un lever de soleil après une très longue nuit. C'est grâce à toi. Tu seras toujours chez toi ici, si tu le veux. Tu vas faire quoi ? Comme changement. J'ai décidé que les membres potentiels seraient évalués sur leurs seules compétences, même s'ils ne sont pas Karja. Ce pavillon ne sera plus le bastion gangréné de notre ancien régime. C'était quoi cette prière que tu récitais quand je suis arrivée? J'ai pas tout entendu. Ô grand soleil, unis-toi à la lune pour que nos morts trouvent le repos. Revêt-les de l'armure flamboyante de ton brasier. Que tes rayons leur fassent office de lance. Illumine le chemin des cieux pour chacun d'entre eux. Faucon Gravid Khan Morza. Faucon Sirav Khan Pir. Faucon Yusalin Khan Jagir. Faucon Kulasiv Khan Sovali. Faucon Brativin Khan Padish. Frère adoré, et Faucon Soleil Talavad Khan Padish, père tant aimé. Que leurs actions et leurs sacrifices soient un exemple pour les chasseurs. Pour nous tous, à jamais. Ce fut long. Bon, félicitations Talana. Je dois partir. Merci Aloy, même si tu es une Nora. Puisses-tu toujours atteindre ta proie. Voilà, rouge mort. Parfait. Alors, une compétence de plus, j'en ai deux. Là, je vais attendre pour le troisième. Voilà, avoir trois tirs. Ah, ça va faire mal. Donc, voilà. J'ai battu Goldorak. Le rouge. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour le 12e épisode. Salut !